Pendant ce maintenant, nous avons gagné troisième mi-temps. Nous voyons que nous pas gagné chaque jour. J'en ai qu'on fait longtemps, mais chaque fois qu'il y a un moment spécial, chaque fois qu'il y a un événement spécial, nous venons avec un troisième mi-temps. Et troisième mi-temps, nous, ce maintenant, c'était avec avocat Brian Concannon, qui sont avocats américains, mais qui parlent créole très bien, et qui dans le système justice américain, et qui t'a essayé de faire nous comprendre dossier Guy Philippe là. Dossier Guy Philippe là, toujours dans l'actualité, parce que juste un moment, on a parlé là, Guy Philippe libéré depuis 7 septembre dernier, il était dans US Penitentiary, dans Atlanta, dans Georgia. Mais, là, il finit puger peine, 108 mois, bien que gagne, parce qu'il n'a pas pugé totalement. Mais, il était lagué. Et la guerre, il lagué, mais pas totalement joindre liberté. Il va joindre liberté parce que, dans le moment où on a parlé là, il nommé ICE, nous avons dit, département sécurité intérieure, les États-Unis, qui lui-même lui prend en charge et qu'on a sur question immigration. Et nous toujours dit que le dossier ça a plusieurs aspects la donne, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension justice. Côté que monsieur fin puje peni, département justice décidé, eh bien, il a libéré monsieur. Ça c'est aspect justice là. Il y a un aspect immigration parce que depuis au lagel puisque il pas venu sans passeport, sans rien. Donc il vient tourner un monde qui est illégal. Donc peut-être ça Département sécurité intérieure des États-Unis, ICE surtout, eh ben, y'a pas qu'à la gueule. Qu'on y a les besoins, ou bien un passeport, ou bien une feuille de route. Ça, c'est question immigration. Mais, l'autre question encore, c'est que, avocat, Guy Philippe, surtout ça qui est en Haïti, lui cher, et Jean-Joseph, lui dit que, lui-même, il t'a fait toute demande, yo. Et madame Rosanne Auguste, lui-même, t'a dit que, depuis en février, il t'a commencé à faire des marchés parce que t'a connu que l'a pas la gueule, il fait des marchés, il voyait tout papier et écrit toute instance, notamment ambassade pays d'Haïti dans Washington. Et nous-mêmes, nous avons essayé d'entrer en contact avec l'ambassade là. Ambassade là. Et nous avons vu que Valério Saint-Louis avec tout Fred Kaimit, qui était l'ambassade là, côté que nous avons rencontré avec l'ambassadeur lui, Aaron Joseph, qui qu'on y a là. Mais on dit que papier était déjà bali depuis le que Edmond Bokchi était ambassadeur pays d'Haïti dans Washington. Donc, qui est-ce qui la vérité dans tout ça n'a dit, c'est que avocat dit te baili, ambassade la dit pas recevoir rien comme ça. Et puis semaine ça, avocat reprend contact avec nous pour dire que lui-même, lui revoyer même document. Lui revoyer document au bail ambassade là, lui écrit l'autre instance et dans le domaine là pour capable finalement que Guy Philippe ta lagué. Donc nous t'ai parlé ensemble avec avocat Brian Concannon, qui te ba nous explication. Et son, c'est un programme qui toujours est sous VOA Creole. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours aller, regarder toute lumière que lui fait sous question. Et il dit nous clair que bagala pas totalement immigration, mais il y a une question politique. Est-ce que Guy Philippe, il représente un danger pour Haïti, un danger pour les États-Unis? Donc, c'est des questions que il a posées. Monsieur Concannon, M. Concannon dit nous que eh bien, les États-Unis doivent prendre décision carrément et y aller. Ils mettent M. Noir dans l'avion, ils portent le Haïti. Et Haïti doit dire pas accepter. Et les États-Unis doivent faire pression. Ça, c'est M. Concannon qui a parlé. Ils doivent faire pression. Mais tout le reste qui gagne. Donc, il y a un aspect diplomatique, il y a un aspect politique, il y a un aspect juridique. Et très naturellement, il y a un aspect immigration. Donc, c'est. Ça nous a gagné pendant ce maintenant. Nous avons parlé de Guy Philippe. L'autre point qui domine l'actualité, ou bien peut-être le plus gros point qui domine l'actualité, c'est la question République Dominicaine. Avec le travail qu'a fait sous rivière Massacre. Et le président Luis Abinader il prend une décision. Et la décision est effective. Matin, là, depuis 6 h du matin, il n'a pas gagné toute frontière fermée entre Haïti avec République Dominicaine. Que c'est à terre, que c'est dans la mer, que c'est en l'air, ouverture ça yo fermé et président Luis Abinader, c'est ça qu'il fait. Nous connaissons que tu as gagné une délégation qui sort dans le pays d'Haïti qui t'a discuté avec République Dominicaine, et ben gagné et gouvernement haïtien qui sort son note qui dit que Haïti en tant que pays souverain gagne droit utiliser toutes ressources que li gagne tant que tout l'autre pays fait. En attendant, République Dominicaine prend décision lui-même, li ferme
toute frontière. L'autre question encore, nous connaissons que Nations Unies, semaine prochaine, c'est Assemblée Générale Nations Unies, et M. Abinader, président Abinader, dit qu'il va poser question ça dans Nations Unies. Très naturellement, VOA Creole, qui toujours là dans un gros événement, et bien là, dans Nations Unies, et n'a porté toute cause ça au baou, et avec même, éventuellement, si nous pouvons parler avec le président Abinader, pour nous connaître exactement qui raison qui derrière cause ça. Il y a des gens qui ont analysé qui dit que la République dominicaine est dans une période électorale et ça veut dire en pile bagaille pour les gens qui ont analysé. Et même Jean Tout, les États-Unis 2024, c'est question élection. Donc tout ça fait que, eh bien, il n'y a pas de questions qui sont réglées à la lumière de perspectives électorales. Donc ça veut dire tout erreur fait ou bien tout gain qu'on fait, eh bien, li a pas avantage ou bien on a perdu dans question ça. Donc c'est ça qui fait que grand pile explication qui bail. Faut dire que République Dominicaine autorité yo déjà sanctionné 9 et personnalités dans pays d'Haïti, notamment gen un journaliste Louko Désir la donne, gen Jean-Baptiste Bien-Aimé ancien parlementaire et sans oublier Jacques Sauveur Jean et on paquette l'autre et nous prend contact avec eux. Toujours sous question et frontière. Nous invitons à suivre une interview que VOA Creole avec Valerio Saint-Louis réalisé avec ancien député 50e législature Jerry Tardieu. Côté que avec Jerry Tardieu, non seulement l'aborder question, hein, l'aborder question frontière, mais l'aborder question insécurité avec l'autre dossier encore. Donc, restez branchés sous VOA Creole pour capable de tout détail sous position Jerry Tardieu, qui c'est ancien député et qui c'est leader et en avant dans le pays d'Haïti. Donc suivre. Et puis pendant semaine tout nous-mêmes dans VOA Creole, n'a pas ouais le maximum pour nous capable joindre quelques acteurs politiques, acteurs dans la société civile là pour nous parler avec eux et sous Assemblée générale des Nations Unies parce que et c'est Assemblée générale des Nations Unies c'est nos carrefour côté grand pile causé qui pral débattre. Donc l'autre point que nous capables encore signaler toute frontière fermée depuis 6h du matin et puis l'autre question d'après entraînant ici aux États-Unis tu as parlé de questions électorales nous dit année ça son année 2024 son année électorale pour les États-Unis et bien la justice États-Unis qui inculpé Hunter Biden c'est petit garçon et président et démocrate là Joe Biden. Document fédéral légal qui déposé devant tribunal dans l'État Delaware dit Hunter Biden te bay menti sous utilisation de drogue et puis acheté un zam à feu en 2018 pendant que le tap goumé avec yon addiction dans la question crack, dans la question cocaïne. Donc, petit garçon, président Joe Biden a fait face à une enquête fédérale pour business si te fait tout à compagnie étrangère. Procureur qui a géré dossier a indiqué que. Et il y a eu accusé monsieur d'est-ce qu'il a violé loi impôt dans Washington avec non Californie. Donc inculpation ça qui a annoncé hier jeudi a venu dans moment que républicain dans Congrès a poursuivi une enquête mise en accusation contre président Joe Biden, il a cherché pour yo impeacher ça nous relé mise en accusation, il a pas cherché pour yo impeacher li. Mais quand pile réaction qui tombait ni bon côté démocrate ni bon côté républicain, il y a un dossier que n'a suivre pour. Dans l'actualité internationale, là, il y a d'abord une grosse rencontre qui fait pendant la semaine, ou bien une grosse visite que Kim Jong-un, qui est le leader nord-coréen, fait dans le pays là aussi. C'est une grosse visite. Et pendant la visite, ça, Kim Jong-un rencontré avec le président pays, n'a parlé de Vladimir Poutine. Il a discuté en pile, mais je dis, Kremlin fait sortir, ils ont communiqué pour dire premièrement que et Kim Jong-un a continué à visiter dans le pays la Russie. Et deuxièmement, pas de aucun contrat qui signé, contrat militaire et autres, pas aucun contrat comme ça, ni accord qui signé entre Corée du Nord avec la Russie. Faut dire que l'annonce a sorti dans le moment que l'Occident, les États-Unis en tête, et bien, ils ont sauté pour ta pas gagner un accord qui fait entre deux pays. Pas oublier que deux pays, ils ont en bas sanction l'Occident. Premièrement, Kim Jong-un pour programme missile et puis là aussi pour guerre en Ukraine.
faut dire que tous les deux Tokay sa yo yo gen intérêt d'après moun k'ap analyser. Premièrement gagnent Vladimir Poutine qui besoin plus d'armes pour le capable continuer guerre en Ukraine, et puis gagnent tout Kim Jong-un qui besoin eh ben assistance la Russie pour le capable continuer avec programme missile. Mais dernier communiqué qui sorti dans Kremlin fait qu'on est que pas gain causé comme ça. Et puis ça nous capable si aller tout qu'est-ce que hier eh ben Kremlin fait qu'on est que président Vladimir Poutine accepté invitation que Kim Jong-un fait pour le capable visiter la Russie. Donc et très prochainement a gain en visite président la Russie dans pays Corée du Nord. Et puis deux dossiers importants qui dominent l'actualité, c'est d'abord question Libye qui a subi une grosse inondation, une inondation mortelle côté grand pile monde qui perdu la ville, surtout avec Derna, des milliers de morts disparaître et gain 40 000 monde qui pas gain qui déplacé. Donc c'est tête chargée. Et puis dans Maroc c'est son tremblement de terre lui-même et ben qui fait tout près Marrakech et ben gain 3000 morts et gain 5600 blessés et gain monde tout qui pas répondre à l'appel. Donc une situation très 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 compliquée, surtout avec question inondation. Et fond dit tout que Nations Unies dit comme ça que si t'es gagné un bon service météo, eh ben grand pile monde qui t'est mouri, il est pas obligé mourir. Donc moi quoi que me arrêter là parce que me pral passer quoi dans Bay Jean-Robert Philippe dans un petit moment qui pral venir et qui pral parler avec nous, qui pral dire nous tout point ça yo qui domine l'actualité. Et pas seulement ça, mais il y a l'autre encore. Donc, son aperçu que nous, donc nous devons rester branchés à 4 tapants, côté que Jean-Robert Philippe pral vini avec Rendez-vous Info. C'est en habitude les vendredis, seuls les Jean-Robert en vacances ou bien l'autre raison, mais Jean-Robert présenté Rendez-vous chaque vendredi. Et puis, gros rendez-vous, c'est pour toute semaine, nan, et bien, dans les Nations Unies, il y a une équipe solide qui a débarqué en bas. Et pour capable couvrir l'Assemblée générale des Nations Unies. Ou même prendre une chaise bas, toujours été branché, pas seulement sous live ou bien sous rendez-vous, mais sur toute plateforme VOA Creole pour capable joindre bonne information. Merci tout le monde qui t'attendait. Dodier, Charles, merci en pile. Nous toujours contents là. Rudy, Alfred, nous saluons. Et puis Rodine, Robinson, nous saluons. Et puis nous avons fini encore l'autre fois encore. Pour nous dire que Gina Jean, nous saluons. Et puis, nous te voyons, madame Jean-Baptiste Saint-Louis, tu es là. Et nous saluons tout. C'est mon panou, mon cœur nous. Nous n'en cœur, li n'en cœur nous. Et puis, Michel Alberto Janvier, nous saluons. Donc, on l'autre fois encore, nous présenter nos sincères condoléances à collègues nous. On a parlé de gentil Augustin Junior qui perd du moment. Et enterrement à fête jodia. Edline, Edith, Jean-Charles. Et nous, Idimli là, nous saluons tout. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Et Valérie, si je prends le temps, je vais aller. Merci. Et à 4 tapants avec Jean-Robert Philippe. Bonsoir.